Alors, on a une période historique dans laquelle la Suisse a adopté un système qui était celui des saisonniers. C'est un système qui permettait de prendre les gens d'un pays quelconque, le faire venir travailler durant 9 mois en Suisse et puis le renvoyer dans le pays d'origine. Or, en fait, ce n'était pas un pays quelconque, c'était l'Italie, parce que dans l'après-guerre, c'était un peu le seul réservoir où tu avais le droit de prendre des migrants. Du coup, c'est des Italiens qui arrivent, beaucoup d'Italiens qui arrivent. 9 mois, ils sont là et puis ils retournent. Alors, il y a des éléments intéressants parce qu'ils sont tous jeunes, ils sont tous en train de se mettre en couple. Ils se revoient à Noël, ils se revoient durant une petite période de vacances en été si c'est possible. Et c'est le moment où ils se reproduisent. Or, qu'est-ce qui se passe après les enfants sont dans ce monde et la grande décision, est-ce qu'on retourne ou non? Les saisonniers va-t-il chercher un travail en Italie ou est-ce qu'il reste en Suisse? Et c'est là où commence à se développer toute une série de stratégies alternatives. Le père qui meurt de tristesse parce qu'il ne voit pas son enfant trouve des arrangements avec sa femme pour venir en Suisse et pour cacher l'enfant dans l'appartement où il est. La grande partie donc, des gens trouvent des solutions légales de ces 500 000 enfants nés dans cette période de saisonniers. 450 000, la grande majorité, se trouvera dans une situation légale mais déchirée et les 50 000 seront clandestins en Suisse, cachés, les fameux enfants du placard. Donc pourquoi c'est important qu'un pays sache ce qu'il n'a pas fait trop bien? Parce que là, il faut dire, cette histoire, c'est une histoire honteuse. C'est une histoire problématique. Or, on n'aime pas parler de sa propre histoire comme une histoire où on a fait des erreurs. Imaginez-vous si on parle de tout un pays comme un pays qui a fait des erreurs. Mais le savoir et la conscientisation, cette réflexivité sur ses propres erreurs, nous renforcent. Dans le cadre du PNR 76, d'autres projets de recherche ont examiné comment les bases légales influencent la vie des personnes. Il s'agit par exemple de plus d'informations sur tous les projets sur pnr76.ch.